Unibet, partenaire officiel du Racing Club de Lens, vous présente la conférence de presse. Forcément que il faut essayer de grappiller un maximum de points. Il faut essayer de enfin, je dis, gagner à domicile de nouveau. C'est ce qu'on aimerait. Même si on s'attend à jouer une grosse équipe parce qu'ils ne sont pas quatrième aujourd'hui pour rien. Oui, Bordeaux, ça reste. Je pense qu'ils seront, dans le top 5, je pense, à la fin de saison. Maintenant, voilà, c'est à nous de confirmer le match de ce week-end, sachant qu'on a de récupérer. Maintenant, on joue à domicile, même si c'est Amiens, c'est quand même à domicile. Donc, à nous de les recevoir et donner le maximum pour remporter la victoire. C'est une équipe qui a fait un début de saison canon et puis qui, aujourd'hui, est un peu dans, on va dire, un peu dans le dur. Mais bon, moi, j'aimerais bien être dans le dur comme eux. Hein. À quatrième, ils viennent de battre Toulouse dans le derby. Ils ont battu deux fois dans le derby, hein, que ce soit en coupe et en championnat. Donc voilà, c'est une équipe redoutable, qui a beaucoup de qualité. Donc il faudra un grand lance pour essayer non seulement de leur poser des problèmes, mais j'espère en tout cas ramener au moins un petit point. On va voir comment déjà ils vont jouer, parce qu'ils ont plusieurs systèmes. Des fois ils jouent à 5 derrière ou à 4, donc ça dépend, tout va changer. On verra, nous on ne se pose pas de questions, on fait des mises en place, on travaille dur pour que ce week-end... Voilà, on est là pour jouer au ballon aussi. Je pense qu'à domicile, on arrive quand même aussi à jouer au ballon. Donc après, à l'extérieur, parce que quand on parle de jouer au ballon, on a fait Marseille, mais à Toulouse, on a fait que défendre. Mais il faudra continuer dessus. Ouais. L'avantage quand on a des jeunes comme ça, c'est justement, hein, ils viennent, ils sont insouciants, ils se posent pas trop de questions, ils ont envie de, comment on dit, de mordre dans le ballon, quoi. Donc moi je pense pas. Après moi, en ce qui me concerne, oui, moi l'inquiétude c'est que c'est pas de perdre confiance, mais c'est surtout donc d'avoir une certaine forme de lassitude, de dire ouais on joue bien, mais à l'arrivée ça fait toujours zéro point, quoi. Ça c'est à un moment donné fatigant à entendre, quoi. Là, il faut être capable. L'exemple du match qu'on a fait où on n'a pas été très bon puis on a gagné, c'est Toulouse, hein. Après, il faut pas faire que ça, mais c'est bien. Voilà. Avoir un juste équilibre entre le match de Toulouse et le match de Marseille, c'est bien.